Le semestre s'était enfin terminé. Les examens ont laissé place au début des vacances d'été. Tu n'as pas compris que je ne voulais pas te parler. Salut, Suzune. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller à la piscine avec moi? Quel temps pourri! Qu'est-ce qu'il fout? Il met une plombe! Désolé d'être en retard, les gars. Il me semblait que je t'avais dit d'être là à l'heure. Laisse tomber. Est-ce qu'au moins t'as récupéré tout le matos? Ouais, tout est là dans le sac. Fais gaffe à les installer correctement et où il faut. L'opération espionnage du vestiaire des filles est officiellement lancée. Enfin un moyen de nous aider à mieux supporter notre solitude. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. Oh, tiens, c'est Suzune. Ça faisait longtemps. Comment ça va? Contente de voir que t'es vivante, des rumeurs ont circulé. Y a personne au lycée qui t'a vue depuis que les vacances ont commencé. Je n'avais aucune raison de voir qui que ce soit. Kei Karuizawa. Il y a deux bandes de filles dans notre classe. L'une est centrée autour de Kokyo, l'autre de Kei. Depuis qu'elle sort avec Yosuke, son influence dans la classe a considérablement augmenté. Quant à Yosuke Hirata, il est le leader parmi les garçons. Il est relativement bon en sport et il a de bonnes notes. Il est aussi populaire. Je n'ai pas encore découvert pourquoi il a terminé dans la classe des boulets. Écoute, Suzune. Tu n'as pas envie de traîner avec tes camarades de classe? Essaie, tu verras, ça te fera pas de mal. Non merci, je n'en ai pas envie. J'ai mieux à faire de mon temps que traîner avec la classe. Je préfère l'utiliser pour étudier ou encore lire. Ok, bah moi ça me va, personnellement. Viens, Yosuke, on y va. Tu vois bien qu'on la dérange et qu'elle veut pas parler avec nous. Ok, je te suis. À plus tard, Suzune. À quoi bon me faire des amis? Je m'en suis très bien sortie jusque-là toute seule. Pourquoi changer aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que je fais ici au juste avec eux? La chance, je suis jalouse. Suzune, je suis trop contente que t'aies décidé de venir avec nous. Kikyo Kushida. L'élève modèle aimé de tous, fille comme garçon, toujours prête à aider les autres. Pourtant, j'ai comme l'intuition qu'elle me déteste au plus haut point. J'espère que cet après-midi, on deviendra enfin amis, toi et moi. Ouais. Quelle manipulatrice. Qui veut devenir amie avec une personne détestée? Je ne comprends pas. Ça va pas? Je me demandais, est-ce qu'on attend Kanji, Haruki et Ken? Je croyais qu'ils devaient venir.
Je sais pas trop, j'imagine qu'ils vont... Salut tout le monde, désolé du retard. On s'excuse, aucun de nous n'a entendu son réveil. Ah bon? Mais c'est bizarre, vous arrivez du côté de la piscine, pas du dortoir? Oui. Et pourquoi tu vas chercher midi à 14h? Ouais, on y va si on veut passer l'après-midi à la piscine. Oui, ne perdons pas de temps, allons-y. Ah, trop bien. Salut tout le monde. Vous aussi, vous allez vous baigner? C'est le dernier jour d'ouverture de la piscine, faut en profiter. Oui, il va sûrement y avoir pas mal de monde. Depuis quand tu as une poitrine si généreuse? Pardon? Drôle de question. Je dirais qu'elle est comme ça depuis que je suis en troisième. C'est cette année-là qu'elle a commencé à grossir. Pourquoi cette curiosité? Pour rien, c'était juste une question. Mais maintenant, je comprends pourquoi tu as tout le temps l'air d'en avoir trop sur les bras. Je viens de me rendre compte que c'est la première fois que tu viens traîner avec nous, Airi. C'est trop bien! C'est parce que tu aimes nager? Non, j'aime pas particulièrement ça. Mais Kyotaka m'a proposé de venir avec vous, alors j'ai accepté. Ah d'accord, je comprends. T'es venue uniquement parce que c'est lui qui t'a invité. Quoi? Non, c'est pas ce que tu insinues. C'est marrant. Ces derniers jours, j'ai trouvé que de plus en plus de gens passaient du temps avec Kiyotaka. Il a aussi l'air de très bien s'entendre avec Onami, ils ont l'air proches. Oui, c'est vrai. Onami Ichinose. La coqueluche de la seconde B. Elle a aidé la seconde D dans l'histoire entre Ken et la seconde C. Mais j'ignore quelles sont ses intentions. Ça te fait rien qu'ils se rapprochent tous les deux? Tu dois pas être rassurée. Kiyotaka peut bien fréquenter qui il veut. Ça change rien à ma vie. D'accord, si tu le dis. Ici le quartier général, vous m'entendez? Le plan passe en phase 2 de l'opération Jeune Impulsion. Le retour des cibles déterminera le temps à disposition. Ici Argos 1, c'est compris. Ah, arrête! C'est parti! On va en profiter un max. Ouais! Airi, tu as mis une combinaison et pas un maillot? Parce que je n'aime pas exposer ma peau devant autant de monde. Moi, je me suis acheté un nouveau maillot. Oh, il va très bien. Oh, tiens, les garçons, Haruki n'est pas avec vous? Ah oui, c'est vrai. Mais pas de question, où est-ce qu'il se cache celui-là? Vous croyez qu'il s'est perdu? On devrait peut-être le chercher. Mais non, c'est pas la peine, t'inquiète pas. À tous les coups, il est aux toilettes. Allons nous amuser. Oh, regardez, il y a un terrain de volée là-bas. Ça vous dit une partie? Allez, venez. D'accord, mais pas besoin de crier comme ça. Vous savez, je suis loin d'être douée en sport, je devrais pas jouer. T'en fais pas, on a beaucoup de garçons sportifs dans notre équipe, ils vont gérer. Bien, vous êtes prêts? Que le match commence! Y a du monde, tu crois? J'ai oublié ma crème solaire, tu me prêteras la tienne? C'est quoi le délire? On doit se changer aux toilettes? J'arrive pas à installer la caméra! Je fais comment? C'est quoi cet attroupement là-bas? C'est la queue pour les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé un truc? Bougez pas, je vais aller voir. Non, personne ne bouge d'ici. On s'en fiche de ce qui se passe là-bas. On a un match à jouer. Un peu de concentration. Il est bizarre, qu'est-ce qui lui prend à Kenji? Je sais pas. Il a peut-être mangé un truc qui passe pas. Ici le QG. Argos 2 au rapport. Argos 2, ça va pas? Répondez! Impossible d'installer la caméra! Un raté comme moi peut pas réussir une telle mission! Je suis beaucoup trop nul! N'abandonne pas! Crois en toi! Et en tes compagnons qui ont confiance en toi! Rien n'est impossible!
fait pas mal de temps qu'on n'a pas vu Haruki. Ça m'inquiète, je pense vraiment qu'on devrait aller le chercher. Mais non, Kikyo, te fais pas de soucis pour lui, il sait se débrouiller tout seul. Mais si ça se trouve, il a eu un problème et il a besoin de notre aide, on sait jamais. Non, vraiment, je suis sûre qu'il va bien. Mais Kenji, c'est ton ami, non? Ça t'inquiète pas qu'il ait disparu? Oh. Oh non, elle pense que je suis sans cœur et superficielle. Dans les mangas, les filles aiment voir l'amitié entre deux garçons. Si je montre aucun signe d'inquiétude, elle va me détester. Non, je ne veux pas que ça arrive, c'est hors de question. Ici le quartier général, Arcos 2, t'es à court de temps. L'opération est suspendue. Retour à la base immédiatement. Je suis désolé. Je me suis montré incapable. Veuillez me pardonner. Tes excuses, tu peux te les mettre là où je pense, espèce de naze. Désolé. N'oublie pas que Kikyo me déteste à cause de cette vie. C'est décidé, on va aller le chercher. Salut tout le monde, on joue au volet. Haruki, te revoilà. J'ai attendu super longtemps pour pouvoir aller aux toilettes. Ah, d'accord. Je suis contente que tu sois là, je commençais à m'inquiéter. Dites, étant donné qu'Haruki est revenu, vous pensez qu'il pourrait me remplacer? Oh, j'ai super mal au ventre. Il faut que j'aille aux toilettes. Ça tombe à l'eau. Vire-moi ce truc. Allons-y. Le QG. Ennemi R en approche. Quoi? J'ai presque terminé la phase 2, je peux le faire. T'as pas le temps, Arcos 1, replie-toi et vite. Arcos 1, dépêche-toi. Vous n'êtes plus que 5. Vous voulez continuer à jouer ou on arrête maintenant? Oh... Moi, je veux bien qu'on arrête. On n'a qu'à dire que vous avez gagné. Comme ça, on pourra s'occuper de Ken et Kanji. Non, il est hors de question d'abandonner. Je remplirai les rôles de deux joueurs. Je peux le faire. Alors ne parle pas d'abandon. J'ai l'impression que le pitch volet ne représente absolument rien pour vous. S'il vous plaît, montrez-moi que vous êtes des guerrières et donnez tout pour gagner. C'est vraiment à cause du sport qu'il se met dans cet état? Je ne sais pas. Je n'ai jamais trouvé qu'il avait une personnalité. Pour être honnête, depuis le début de l'année, je les confonds toujours quand j'ai lui. Je ne sais pas les distinguer. Eh ben, personne ne fait le ménage ici. Installation du dispositif terminée, maintenant je dois sortir. Argos 1, c'est loin d'être terminé. L'ennemi R comprend des filles. Je répète, il y a des filles. Aïe. Désolée, j'ai pas pu la renvoyer. C'est pas grave, t'inquiète pas, je te pardonne. C'est impardonnable. Vous pouvez pas venir ici à votre guise. Il y avait une pancarte qui disait clairement de ne pas passer. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Je vais où je veux, compris? Maintenant, barre-toi. C'est affligeant. Une querelle entre roturiers, c'est d'une laideur. Dis donc, Sakayanagi, on ne t'a pas sonné. Alors prends tes gentils toutous et casse-toi. Ne sois pas jaloux, je peux te dresser toi aussi si c'est ce que tu veux. C'est quoi tout ce grabuge? Je sais que ce bâtiment est un lieu de détente pour tous. Mais vous êtes quand même dans l'enceinte du lycée. N'oubliez pas que le règlement s'applique aussi ici. Notre cher président nous fait l'honneur de sa présence. Tu es mal positionné. Désolé, je suis vraiment pas bon en sport. Pourtant, tu es athlétique et tu as de bons réflexes. Pourquoi tu caches tes talents? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est parce que t'as peur de perdre et que tu ne supportes pas ça? Non, pas du tout. C'est pas un défaut. Au contraire, quel est le but de jouer si on ne cherche pas à gagner à tout prix?
Le sport est vecteur d'émotions. Les montrer, ça t'aiderait à te faire des amis. Je te l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin d'amis. Oh, il se passe quelque chose dans les vestiaires. Ici le QG. Arcos 1 au rapport. Je suis prêt à replier, mais je peux vraiment pas. J'ai besoin d'aide, il y a trop d'obstacles à franchir dehors. Je suis coincé dans les vestiaires. Bon sang, tout est fichu. Après tous les efforts qu'on a donnés. Non, 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 tu ne dois pas abandonner. Hideo, j'ai une question. Est-ce que tu crois que tout ce plan, c'était une erreur? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, si jamais j'arrive pas à sortir d'ici en vie... N'abandonne pas, je te dis! Hideo! Ne m'appelle pas par mon nom, ici c'est QG. Compris, Argos 1? En ce moment même, certains attendent ton retour. Donc tu ne dois pas perdre espoir. Argos 1? Argos 1, tu m'entends? Je suis désolé. J'étais prêt à flancher. Arrête. QG, tu peux transmettre un message à Arcos 4. Dis-lui qu'on enchaîne. On passe à l'exécution de la phase extra. Diversion nécessaire. Attire l'attention loin des vestiaires. Le président, Kakeru Ryuen, et d'autres font obstacle. Ils sont incorrigibles. Suzune, j'aurais besoin de ton aide, s'il te plaît. J'ai une crampe qui fait trop mal! M'approchez pas! T'as pourtant l'air en pleine forme. C'est pas Suzune Orikita de ce Orikita? Donne-moi le nom de celui qui vous a berné. Il y avait une fille, son nom c'est Orikita. Ah, les filles, regardez! Elle est tout en haut! Qu'est-ce qui lui prend, à votre avis? C'est pas son genre. Moi non plus, je comprends pas. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de faire ça? Je tiens d'abord à vous faire savoir que nous sommes la seconde D. On nous qualifie d'élèves défectueux dans ce lycée. On considère que nous sommes des enfants à problème qui se font facilement berner par les autres classes. Ce qu'a essayé de faire la seconde C. Vous avez eu l'audace d'essayer de nous causer des ennuis au semestre dernier. Mais aujourd'hui, je vous en remercie. Grâce à vous, les choses sont maintenant plus claires. J'ai compris que beaucoup d'obstacles se mettront sur le chemin de la seconde D. Mais j'ai aussi compris que toutes les classes, de la A à la D, ne sont pas uniquement divisées en jugeant les prouesses académiques ou les facultés sportives. Et ça m'arrange. Ça signifie que la classe des ratés a toutes ses chances de s'améliorer. Et ce, jusqu'à devenir la classe A. C'est une promesse que je vous fais. La seconde D se hissera en classe A. Bien dit, Suzune. T'es la meilleure. Je t'adore. Elle promet cette seconde D. Ils sont incroyables. Tu avais raison. Ils ont vraiment installé des caméras dans les vestiaires. Sérieusement, viens à la piscine avec moi, s'il te plaît. Non, ne compte pas sur moi. Pour être honnête, j'ai besoin que tu viennes. L'avenir de la classe est en danger. Pourquoi? C'est Kanji qui a suggéré d'aller à la piscine. Avec d'autres garçons de la classe, il prévoit d'installer des caméras dans les vestiaires des filles. Quoi? Si j'avais tenté de les arrêter, ils auraient probablement agi dans mon dos. Ils auraient trouvé comment faire. C'était moins dangereux de les laisser mener leur projet à bien, puis de les contrecarrer. C'est dur à admettre, mais tu as eu raison. Leur plan, c'était d'aller reprendre les caméras ce soir, après que tout le monde est rentré au dortoir. Mais grâce à toi, ils ne récupéreront aucune image. Ils vont être déçus. On aurait pu les arrêter plus tôt. Il suffisait d'enlever les cartes mémoire avant qu'elles n'enregistrent quoi que ce soit. Ouais, c'était ça le plan initial, en effet. Mais l'intervention des autres classes a pas mal compliqué la situation.
C'est pour détourner leur attention que tu m'as demandé ce discours ridicule. Quoi? T'as eu un beau succès? Ken et les autres étaient touchés, ils ont même pleuré. Et puis aussi, tu t'es bien amusée à la piscine aujourd'hui. T'as passé toutes les vacances seule. Est-ce que ça t'a fait du bien de sortir? Je ne suis pas venue dans ce lycée pour m'amuser. En plus, les gens m'ennuient. Je préfère largement être seule. Si tu le dis. T'as encore du temps avant que la piscine ne ferme. Hein? Ça va pas la tête? Désolée, j'étais obligée. C'est ma revanche. Ah, moi aussi, je veux m'amuser avec vous. Non, Kikyo, on s'amusait pas, là. Prends ça. Désolée, nous aussi, on veut s'éclater avec toi. Excuse-moi. Un message? Du bien de retrouver la solitude. I'm not afraid.